Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos des 3 nouveaux élixirs qui sont sortis hier. Les 3 nouveaux élixirs sont Liquidation, Conflagration, Bonne à tout faire et Menthe rafraîchissant. Je les ai testés en game donc je vais vous dire leur efficacité et après je vous dirai ce que j'en pense. Le premier que je vais vous présenter c'est l'élixir Menthe rafraîchissante. Cet élixir vous permet de recharger toutes vos capacités, genre les capacités de vos atouts, vos grenades, votre spécialiste. Et c'est pas tout parce que cet élixir aura le même effet pour tous les joueurs. Mais il y aura un truc en plus pour les autres joueurs, c'est que ça rechargera carrément leur élixir. Donc s'ils ont utilisé leur élixir dans une manche, ils pourront l'utiliser une deuxième fois dans la même manche. Donc si vous êtes 4 à avoir cet élixir, vous pourrez utiliser vos élixirs 4 fois dans la même manche. Ce qui rend cet élixir très utile. Alors le deuxième que je vais vous présenter, c'est l'élixir Liquidation Conflagration. Cet élixir vous permet d'avoir le pack à punch à coût réduit, mais vraiment à très grand coût réduit. Par exemple, comme vous le voyez sur la vidéo, je paye 1000 ma première amélioration et 500 points pour les secondes améliorations. Cet élixir est le moins efficace des 3. Et le dernier qui est le plus efficace, je trouve, c'est l'élixir Bonne à tout faire. Cet élixir vous permettra d'avoir 4 atouts supplémentaires aléatoires. Alors ce qui est bien avec cet atout, c'est que vous pouvez l'utiliser dès le début de partie. Donc dès que vous commencez la partie, vous aurez 4 atouts aléatoires. Par contre, si vous tombez, vous les perdez tous instantanément. Donc faites attention de ne pas mourir. Alors dans la vidéo, j'ai essayé d'avoir 10 atouts. Cependant, il y a eu un bug dans ma partie parce que le jeu a sûrement été mal codé. Et vous pouvez remarquer que j'active tout simplement mon élixir, puis je vais chercher mon atout gratuit que j'ai gagné grâce à mes défis. Et là, vous pouvez apercevoir que je n'ai pas l'atout gratuit qui se met dans mes atouts supplémentaires. Ce que j'aurais dû faire, c'est prendre l'atout avant d'activer mon élixir. Donc si jamais vous le faites sur 9, prenez d'abord votre atout gratuit grâce au défi, et puis après, activez seulement votre élixir. Comme ça, vous aurez 5 atouts directement. Et puis ensuite, si vous avez fait l'easter egg pour avoir un atout gratuit, vous récupérez le 6e atout supplémentaire. Donc dans la map 9, vous pouvez avoir 10 atouts. Si bien sûr vous le faites dans la façon que je viens de vous le citer. Alors il faut savoir que vous ne pouvez pas cumuler cet élixir. Si par exemple vous appuyez sur la flèche pour réactiver l'élixir, ça vous mettra impossible, ça ne s'enclenchera pas tout simplement. Alors il y a un autre truc qui est bien aussi, c'est que l'élixir liquidation conflagration, vous ne pouvez pas l'utiliser si le pack à punch n'est pas disponible. Donc ça c'est quand même bien, car vous ne perdrez pas votre élixir sans faire exprès. Alors qu'est-ce que je pense de ces élixirs? Alors je pense que c'est un tout petit pas vers l'amélioration des élixirs. Parce que tout simplement, liquidation, conflagration, je trouve qu'il ne sert pas grand chose, c'est juste pour nous faire gagner quelques points. Menthe rafraîchissante, c'est vraiment un élixir assez badass, surtout si on est 4 à l'avoir, parce qu'on pourra avoir, imaginez, 4 spécialistes instantanés pendant un combat de boss. Donc c'est quand même assez efficace. Le problème, c'est que pour en avoir un, vous allez devoir user pas mal de plasma. Et ça, forcément, ça vous donne pas trop envie de consommer votre élixir dans n'importe quelle partie. Il faut savoir que j'ai mis 2000 plasma pour avoir un de chaque sorte. Après, c'est sûr que j'ai eu 3 bonnes à tout faire en utilisant ces 2000 plasma. Donc j'ai eu un peu de chance pour le bon à tout faire. Et justement, ce que je pense de l'élixir bon à tout faire, c'est que c'est un demi-accro. Et ça, franchement, c'est quand même insane. Parce que la communauté était divisée. Il y a des gens qui préféraient avoir un accro et il y a d'autres personnes qui voulaient pas du tout un accro. Donc logiquement, les deux parties de la communauté devraient être satisfaites. Je pense qu'ils ont vraiment fait fort sur ce coup-là. Par contre, c'est pas pour autant que je vais utiliser mes 14 000 plasma pour avoir un des 3 atouts en plusieurs exemplaires. Non, 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 c'est pas mon but. J'attends vraiment qu'ils ajoutent encore d'autres élixirs. Parce que là, pour l'instant, c'est encore assez bof. Hein. À part le bon à tout faire et la menthe rafraîchissante qui sont vraiment intéressants, le reste, c'est pas encore ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao, peace.